The Sourou Valley is located in the northwestern Burkina Faso in the loop of the moon. This region covers about 12% of the country and has about 1,500,000 inhabitants, representing nearly 12% of the country's total population. The population is mostly dependent on natural resources, but there is a continued degradation of ecosystems in the valley, probably due to bad exploitation practices, weak agricultural services, and discrepancy in the valley natural resources exploitation policies. The consequence is a continued impoverishment of the population. There has been probably no attempt to provide solutions with regard to a good understanding of the relationship between natural resources conservation and the fight against poverty. For this reason, IUCN conducted a study on the economic potential of the Sourou Valley. The main conclusions were presented to the key actors in the valley in a workshop at Touga in April 2010. C'est vraiment en 1984 que le gouvernement du Burkina Faso a définitivement pris la décision de faire de la région du Sourou une région de développement prioritaire pour le pays. Et en 1985, la maîtrise d'ouvrage du Sourou a été créée. Elle sera ensuite transformée en un établissement public à caractère administratif en 1986 sous l'appellation de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. The study conducted by IUCN was to identify the activities undertaken in the valley and to assign an economic value to each of them. We can see from this table the distribution of the different activities identified and the total value estimated at over 10 billion francs. The timber and non-timber resources both represent nearly half the resources, far ahead of stock breeding, fisheries, water transport, and especially agriculture, which accounts for only 3%. The IUCN study also included the ecological impacts in the Sourou Valley, which many actors are already aware of. On se retrouve aujourd'hui avec une zone où le couvert végétal a été vraiment a vraiment souffert. Et l'écosystème est quelque peu rompu. Et nous avons constaté qu'il y a eu un éveil de conscience, il y a eu plus de, j'allais dire, de valeur ajoutée que les gens, enfin que les décideurs ont pu, j'allais dire, découvrir au niveau de l'environnement. Et le document actuel, en tout cas la politique, national s'est amélioré en ces aspects-là. This is the first time that a study of this kind is conducted in Burkina Faso. It will undoubtedly be an example because the economic and environmental aspects are not always taken into account in the creation of large hydraulic works. Nous avons considéré que dans la plupart des pays du Sahel, il y a des appels pressants des populations pour la réalisation d'ouvrages parce que pour eux, ça représente une source de sécurité, sécurité alimentaire notamment, mais également une disponibilité de l'eau qui leur fournit également d'autres ressources. Donc c'est dire qu'on a l'impression qu'il y aura de plus en plus d'ouvrages et par conséquent il faut qu'on fasse attention à bien nous rassurer que ces ouvrages nous apportent ce que nous souhaitons, ce que les populations souhaitent et qu'on ne détériore pas d'autres biens ou d'autres possibilités, d'autres opportunités. The Sourou is tributary of River Moon. The first floodgate dam was constructed in the 70s on the Sourou at Lerry. But due to the severe drought of 1982, the government decided to dig an additional channel to divert the Moon toward the Sourou. On a creusé ce chenal d'environ 600 mètres pour que quand les eaux du Moon vont couler, donc ça se vide dans le Sourou pour stocker suffisamment d'eau pour pouvoir irriguer. La construction du canal a permis de stocker environ 660 millions de mètres cubes d'eau bon, par an. Hein. Donc ça permet d'aménager 3818 hectares voilà, sur un potentiel de 30 000. 30,000 hectares were developed, with pumps irrigation systems abstracting water from the river. To develop these fields and allow their exploitation, it was necessary to deforest. On est à Djédougou.
le périmètre aménagé de Diédougou, 250 hectares, aménagé en 1967. Le tout premier périmètre aménagé de la vallée du Sourou. Comme vous voyez, le système d'irrigation est tel qu'il ne faut pas laisser les souches, les arbres, si bien qu'il fallait tout terrasser. Ces forts sentiments de déforestation, ça frappe tout de suite l'esprit. Et les paysans ont vraiment beaucoup souligné ça. Et nous avons souligné ça évidemment sur le plan écologique parce que le fait de dénuder les grandes superficies et de les laisser pendant longtemps sur l'impact des considérations climatiques, ça donne vraiment l'érosion. Et on constate effectivement qu'il y a l'envasement du barrage. In addition to deforestation, there is also the problem of logging. Il y a les déboisements dans les systèmes de production traditionnels qui font que le bois est devenu rare. Le bois utilisé par les fumeuses de poissons, les transformatrices de poissons. Le bois est devenu rare à telle enseigne que l'étude a montré qu'en l'espace de 5 ans, le coût du bois, de la charité de bois a été triplé. Alors ça pose un problème. In most villages near the river, about 80% of fish caught is smoked because they cannot keep it fresh or send it by refrigerated trucks. This activity also requires a great deal of wood. Quel devrait acheter mais n'a pas les moyens pour acheter le bois. La vieille se plaint quoi? Qu'elle n'a pas de bois pour fumer son poisson. Elle est en train de me demander de lui trouver du bois. Alors que justement c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui. And it's not just fish smokers who consume wood. Rice steamers also do. To contain this phenomenon, reforestation campaigns are regularly organized. Over the past 10 years, the Association Naturama is particularly active in the field of environmental protection in the Sourou Valley. Dans la vallée du Sourou, Naturama intervient dans deux localités, l'inventaire des oiseaux, la conservation des oiseaux et l'inventaire des oiseaux. Bon, et avec un groupe de plaidoyer aussi de la déforestation de la vallée du Sourou. Donc Naturama intervient tout ça dans la vallée. Bon, on a conquis le terrain avec la coopérative de Guédougou qui nous a donné le terrain de 3 hectares. Donc le financement a été financé par Naturama pour le reboisement en 2003. Et chaque année, on est en train de reboiser encore. Il faudrait des plantations de compensation parce qu'il faudrait tout de suite penser à remettre ce qu'on enlève. Il faudrait aussi... Pour ce qui n'est pas dans les périmètres aménagés, il faut pouvoir contrôler le défrichement. Alors le défrichement, chaque année, il y a de nouveaux champs qui s'installent. Il faudrait qu'on puisse contrôler le défrichement. C'est-à-dire qu'on est en train de sensibiliser les producteurs. Il faut laisser 25 pieds de grands arbres à l'hectare et 60 petits pieds à l'hectare. Mais ce n'est pas très bien suivi, si bien que bon, on risque un jour de... ne pas avoir un bon potentiel. Awareness raising is regularly organized, but it's not always enough, and repression is sometimes necessary. Alors, c'est l'objet de saisie. Alors, la réglementation en vigueur interdit de couper le bois vert. Vous voyez, c'est du bois de mitragina, le mitragina inermis. Donc, ils vont couper ça d'affraie. Les sensibilisations n'ont pas permis d'arrêter ça. Alors nous avons procédé à la saisie de ce stock de bois pour au moins les inquiéter. The main activity for which the facilities were organized is agriculture, which yet accounts for only 3% of the economic potential of the valley. Nearly 3,400 people are engaged in farming, but there are only 11 cooperatives. These cooperatives encounter a lot of problems. Lack of training, water management, financial problems. Farmers have often been left to themselves. Ils n'ont même pas une cohésion sociale. Ils n'ont même pas l'esprit coopératif développé. Et hop, on leur dit, bon, prenez-vous en charge. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est cette situation-là qui a fait qu'on est toujours en train de... On a l'impression qu'il faut toujours recommencer, quoi. Un des problèmes ici, c'est le financement de la campagne. Donc les banques classiques, bien entendu, refusent de financer l'agriculture
parce que il y a trop de risques là-bas, quoi. Donc c'est la CNCA à l'époque, aujourd'hui BACB qui les accompagne. Mais malheureusement, bon, il y a eu des impayés. Ils ont fermé le robinet. C'est la BRS qui s'est engagée dans ces deux dernières années. Maintenant, et puis chaque coopérateur se débrouille avec les institutions financières de la place. The Sourou Valley Development Authority is the structure which was created to organize the activities of the Sourou Valley. Previously based in Ouagadougou, the authority resumed at Niassa in the heart of the valley with new objectives. Nous voulons faire de cette région, de cette vallée, effectivement une zone de croissance économique. Et pour cela, ce n'est plus forcément du social qu'il faut faire, ce n'est pas seulement la question de la sécurité alimentaire qu'il faut régler, mais c'est aussi une question de faire beaucoup d'argent pour le pays. C'est aussi une question de valoriser au mieux les investissements qui sont faits donc au niveau de cette vallée. Donc nous nous sommes fixés comme objectif pour ces 15 années à venir de réaliser pratiquement 1000 hectares chaque année. Ça veut dire que c'est 15 000 hectares supplémentaires que nous allons réaliser à l'horizon 2025. The objectives of the Millennium Challenge, which envisage developing 2,000 hectares, must be added to this. Il faut faire émerger un nouveau type d'acteur. Ce n'est plus forcément le paysanat qu'il faut développer sur ces espaces-là, mais c'est plutôt des investisseurs privés qui viennent, qui prennent des espaces beaucoup plus importants et qui travaillent effectivement à valoriser ces espaces-là. Que l'État prenne des engagements pour accompagner cette dynamique. Accompagner de cette dynamique, ça veut dire quoi ? Tous les aspects d'accompagnement comme le développement du secteur routier, des infrastructures routières, le développement de certaines infrastructures socio-économiques comme les dispensaires, comme les écoles, l'électrification rurale. C'est des choses qu'il faut pour accompagner effectivement la production agricole et l'investissement qui est fait au niveau donc de cette vallée. As if the farmers do not have enough trouble, they are facing the problem of hippos. Numerous as they are, for they are stuck in the valley by the dam and are destroying the plots. Voilà. Voilà, ça c'est le pied de l'hippo. J'ai reçu la visite des hippos là ici près de 5 fois. Moi j'ai perdu toute ma pépinière pour 2 hectares, qui m'a coûté très cher. Donc j'étais obligé de payer les pépinières avec d'autres personnes. Là où le pied a piétiné, c'est rentré en profondeur, ça c'est fini. Ça ressort, ça ne repousse plus. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? D'accord. Parce que nous, c'est la lutte biologique. On attache des ficelles, on attache des étoffes pour qu'il ait peur. Sinon, nous n'avons rien contre lui, on ne peut pas le chercher. Il y a naturellement un manque de parcours de pâturage qui fait que peut-être les animaux sont affamés. Et comme ce sont des herbivores potentiellement, nous pensons que quand ils ont faim, ils sont menaçants. Le dernier recensement, c'était en 1995. On avait dénombré à peu près 295 têtes d'hippopotames dans le fleuve du Sourou. Nous imaginons qu'au jour d'aujourd'hui, les populations d'hippopotames se sont accrues. Dans la planification, au départ, on n'a pas vraiment pensé à ces espèces. Donc, premièrement, il faut savoir qu'ils existent, il faut les dénombrer, connaître leurs besoins et prendre cela en compte dans la planification. Secondo, dans des cas où, comme celui-ci, où l'ouvrage est déjà réalisé, c'est accepter de reconnaître leur existence, leur importance aussi, parce que même pour les communautés, surtout pour les communautés qui vivent autour du Sourou, les hippopotames jouent un rôle culturel, cultuel, important. Donc il faut discuter avec ces populations de façon à pouvoir dégager un petit territoire qui permette aux hippopotames de survivre sans constamment interagir avec les productions des paysans. Autrement, c'est des conflits et forcément, celui qui va en pâtir, c'est l'animal, puisqu'il est un peu plus faible. Where there are hippos, there are fish. The fishermen know that.
About 1,200 people live on from fishing and its associated activities. A volume of about 800 tons of fish is caught per year. As this is a cross-border river, this raises a number of issues. Le fleuve Sourou étant, joue deux rôles, c'est un affluent et un défluent du Mouhoun. Et de façon naturelle, pendant les crues, l'eau quitte la zone de l'Iris à monte vers le Mali. Et les deux crues, de façon naturelle également, l'eau revient. Quand l'eau va, il n'y a pas de problème. Au retour de l'eau, et les Maliens ont des méthodes de pêche qui ne permettent pas le poisson de revenir, ce qu'ils appellent barrage d'eau. Ça consiste à prendre des chaînes ou soit d'autres matériels pour bloquer carrément le passage du poisson à son retour. Bon, donc à ce niveau, on a des difficultés. Bon, mais dans le sens que le Sourou est érigé en périmètre aquacole d'intérêt économique, PAE, dont un comité de gestion qui est dirigé par le gouverneur de la région. Donc, dans la première session ordinaire tenue en 2009, ces difficultés également ont été ressorties. Maintenant, comme c'est les plus hautes autorités de la région qui dirigent ce comité, les jours à venir, on va dialoguer avec les Maliens pour essayer de voir, pour pouvoir parler le même langage. Parce qu'il n'est pas. Il est impossible de parler de co-gestion des ressources halieutiques du Sourou sans impliquer la partie malienne. Landegma Wodrago alone controls fishing activities in the Sourou Valley. He has no office, no motorized canoe, and he cannot even swim. Également, quand nous allons sur l'eau, pour faire appliquer la réglementation en matière de pêche, on dit qu'il faut aller pêcher, mais il ne faut pas prendre le petit poisson, il y a les méthodes de pêche, et ainsi de suite. Maintenant, quand vous allez sur l'eau, nous allons avec des pêcheurs, sans gilet de sauvetage, on n'a pas une baraque motorisée. Et également, je suis seul au niveau de ce service qui s'occupe de plus de 1000 personnes. Donc vous voyez que les difficultés sont énormes. Stock breeding accounts for nearly 18% of the activity in the valley. This sector also needs to be structured. Il y a le cheptel est très important, mais le marché n'est pas organisé. Et vraiment, l'infrastructure aussi n'est pas vraiment, ne répond pas. Vraiment, si on avait eu un bon marché, il y a les animaux et vraiment on allait faire quelque chose. Ça allait être très très intéressant. Il y a le lait. Il y a les animaux vraiment et les éleveurs en produisent. Maintenant, on n'a pas de mini laiterie. La vente, c'est pas facile. This lack of structures, mainly paved roads, is a major handicap for most activities of the Sourou Valley. In the inventory of economic values identified in the study, some properties could not monetarily be evaluated. The availability of water is an example. Indeed, the level of the water ground has risen by 10 meters, which is an important resource. This is true also of the value of biodiversity, as well as for products of the pharmacopoeia. Pharmacopoeia employs over 300 people identified in the valley, who largely draw their resources locally. Vers la vallée même, vous avez vu comment on a détruit les arbres là pour faire. Bon, moi je trouve que. Au lieu de qui détruit tout, ils devaient faire des allées et puis planter les arbres dans les allées là. Les arbres qu'on a besoin, ils pouvaient faire ça. On a sollicité un jardin botanique. Bon, nous n'avons pas de structure même, on n'a pas de maison pour faire nos réunions, pour faire des expositions. Donc on n'a rien ici. Donc on peut demander aux autorités s'ils pouvaient nous aider à ce point. The sector of traditional medicines should not be overlooked because it supports the conventional medicine and is close to people. On essaie de les rencontrer régulièrement pour essayer de leur faire percevoir leur rôle dans la société et leur faire percevoir l'importance de la collaboration qu'on doit entretenir. Nous leur demandons souvent de savoir reconnaître la plupart des maladies qui peuvent entraîner des épidémies, qu'on appelle les maladies à potentiel épidémique. Il y a également un autre volet de collaboration où on essaie de les organiser pour qu'ils puissent exercer la médecine et la pharmacopée traditionnelle selon les règlements que le ministère de la Santé a élaborés.
To conclude, this study has highlighted the importance of being able to create economic value of certain sectors that deserve to be given special attention in future. Finalement, ces ouvrages, en particulier dans le cas du Sourou, ont un intérêt qui n'est pas simplement agricole. Parce que lorsqu'on parle de ces ouvrages, on pense d'abord agriculture, on pense possibilité de culture de contre-saison. Mais en réalité, selon nos évaluations, l'agriculture ne représente que 3% de la valeur annuelle de biens et de services qui sont tirés, disons, du fleuve Sourou. Nous n'avions pas pensé que le transport simplement sur le fleuve, entre deux villages, entre deux marchés, pouvait être aussi important. Nous n'avions pas imaginé que, disons, les ressources strictement forestières, c'est-à-dire le bois et les produits forestiers, à eux seuls puissent représenter 58% de la valeur économique de la plaine. Donc, c'est des aspects qui surprennent. C'est des valeurs qui existent, c'est, disons, des revenus qui viennent aux paysans, mais qu'on oublie de comptabiliser lorsqu'on évalue l'entièreté de leurs ressources. Il y a certains résultats qui choquent quand on les met en parallèle avec d'autres situations. Quand on voit toutes les potentialités dont dispose la région et lorsqu'on regarde leur position en termes d'incidence de la pauvreté, on tombe des nues. Parce que l'évaluation qui avait été faite estime à plus de 10 milliards le potentiel économique de la zone. Alors que quand on regarde l'incidence de la pauvreté dans la région de la boucle du Mouhoun, elle est de plus de 60%, alors que donc nettement supérieure à la moyenne nationale qui est de 46%. On est parti du constat qu'il fallait résoudre un problème de sécurité alimentaire, et puis bon, il y a aussi le problème de développement local qui était là. Donc on a aménagé à grands frais, et sans voir qu'il y a des problèmes sociologiques, sans même compter les problèmes au plan écologique. Il fallait mettre en balance ce qu'on gagnait en termes de production et ce qu'on pouvait perdre en termes d'écologie, en termes d'écosystème. Parce que si, par exemple, vous mettez à saccager la forêt ou bien les lieux pour faire des plaines et autres là, pour des lisières, vous pouvez en fait déstabiliser les écosystèmes. Et par la suite même, votre premier objectif qui était de produire le riz peut ne plus être atteint parce que justement l'écologie a foutu le camp. Quand vous produisez, vous détruisez, en fait vous détruisez votre base. Il faut avoir déjà une approche beaucoup plus durable de cette économie. Donc si on arrive à avoir une approche beaucoup plus durable de l'utilisation des terres, on a vraiment la chance d'arriver plus loin pour les générations futures. Je pense que ça va constituer un axe stratégique majeur de cette stratégie de croissance accélérée de développement durable, dans ce sens que la préoccupation c'est à la fois de promouvoir le développement, mais de veiller également à préserver les chances de développement des générations futures. Donc ce qui fait que la question de l'environnement de façon globale va constituer un élément de préoccupation majeur. Natural resources are increasingly recognized as a stock of natural capital that generates flow of goods and services having an economic value. This knowledge is too little recognized by policymakers and rarely taken into account in planning policy that do not recognize the face value of the contribution of wetlands to local and transnational economies. Yet, sustainable management of this capital helps ensure sustainable economic flows for the people who depend on this and contribute to the fight against poverty and strengthening the resilience of communities to climate change.